Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois du privilège que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler ce matin malgré toute cette frénésie, Seigneur, cette peur qui s'est installée au cœur de partout dans le monde, de toutes ces personnes qui ont cette crainte, Seigneur, d'attraper ce genre de virus. Nous te remercions de ce que ta présence ce matin va nous rassurer et nous montrer, Seigneur, qu'avec Dieu, nous pouvons surmonter les pires difficultés et avoir pleinement confiance que c'est toi qui diriges le cours des événements, mais que dans ta présence, nous avons aussi non seulement la paix, mais la guérison du cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. D'un ferme pas. Numéro 324. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Lévitique, au verset 47. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, qu'il s'agisse d'un vêtement de laine ou de lin, d'une chaîne ou d'une trame de lin ou de laine, d'une peau ou d'un objet en cuir, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, dans la chaîne ou la trame, ou sur n'importe quel objet en cuir, c'est une plaie de lèpre, et on la montrera au prêtre. Le prêtre examinera la plaie et enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, dans la chaîne ou la trame, sur la peau ou l'objet en cuir, c'est une plaie de lèpre durable. L'objet est impur. Le prêtre brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet en cuir sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre durable. On brûlera l'objet au feu. Mais si le prêtre voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l'objet en cuir, il ordonnera de laver ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une deuxième fois pendant 7 jours. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, on vous demande de vous asseoir maintenant pour le chant de préparation. À toi la gloire. Thank you.
Bonjour, frères et sœurs. On est vraiment heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas peur de ce fameux virus, coronavirus. Surtout les vieux, ils ne devraient pas être ici. Et on dit les vieux devraient vraiment rester chez eux. Alors, je remercie Seigneur que je suis âgé et pas vieux. C'est drôle que dans ce qu'on est en train de vivre présentement, toutes les mesures qu'on est en train de prendre partout sur la planète, parce que ça touche l'économie. Quand ça touche l'économie, tout le monde réagit. Et on sait qu'à chaque jour, il y a beaucoup plus de monde qui meurt de toutes sortes de problèmes, de malnutrition, de famine, parce qu'ils ne sont pas soignés ou mal soignés, qu'ils manquent même de choses essentielles, qu'ils manquent d'eau, qu'ils manquent de nourriture. Mais ceux-là, ça ne touche pas l'économie. Fait qu'on ne prendra pas les mêmes mesures. Alors, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais ce matin, le propos, j'avais intitulé ça « Coronavirus et contamination ». Prions avant qu'on rouvre la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à réaliser que tu n'es pas celui qui envoie des châtiments. Tu ne prends pas plaisir à faire souffrir tes créatures, mais que tu nous as donné des lois merveilleuses qui nous aident, Seigneur, à éviter tout ce genre de contamination. Et ce matin, nous prions enfin qu'on puisse discerner au travers de tout cela les précieux conseils que tu nous as donnés dans ta parole, afin qu'en les suivant, nous ayons l'assurance, Seigneur, qu'auprès de toi, nous n'avons rien à craindre, que tu conduiras nos vies, que tu es celui qui sauve, qui guérit, qui rétablit. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, après toutes ces années-là, le peuple était vraiment sans éducation, sans connaissance par rapport à l'hygiène, ne connaissant pas les lois de Dieu, n'ayant aucune idée par rapport à ce qui était pur ou impur. Alors, qu'est-ce que Dieu devait faire? Il les emmenait où? Dans un désert pour les éduquer. Mais Dieu nous a donné aussi toutes sortes de consignes pour éviter tous ces genres de problèmes. Alors, on va lire ce matin un premier dans Lévitique chapitre 11. Le principal de notre échange ce matin se déroule vraiment dans Lévitique. C'est un livre que on lit, mais des fois un peu superficiellement parce qu'on trouve ça plate. On trouve qu'il y a des belles affaires, mais on trouve qu'il y a des choses qui sont un peu négatives. Alors, si on prend Lévitique chapitre 13, le chapitre 11, versets 13 à 19. Alors, on va voir un petit peu les premières consignes que Dieu avait données à ce peuple-là concernant la sorte de nourriture qu'il devait prendre et la nourriture qu'il ne devrait pas toucher parce que ça lui amènerait toutes sortes de complications, toutes sortes de contaminations, toutes sortes de problèmes. Alors, Lévitique chapitre 11, 13 à 19. Je lis. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'auto, et tout ce qui est de mer, le milan, le corbeau et toutes ces espèces, l'autruche, le hibou, la moufette, l'épervier, pas la moufette, la mouette, parce qu'à la moufette, je ne pense pas qu'un grand monde soit attiré vers la moufette. L'épervier et tout ce qui est de son espèce. Le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne de héron, et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous savez qu'il y a tout un débat présentement parce qu'ils disent que le virus est parti de la chauve-souris et que cette contamination est en train de se répandre partout. Dieu avait dit de ne pas toucher à ce genre d'animaux. Alors, la plaie, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du fait que quand on ne veut pas écouter ce que c'est que Dieu nous donne comme prescription pour nous éviter la maladie, bien, c'est la contagion, c'est toutes sortes de problèmes qui s'étend un peu partout sur la planète. Et là, il y a un grand débat qui est lancé présentement parce que la Chine accuse les États-Unis. Ils ont dit, c'est vous autres qui êtes venus apporter ce genre de virus ici. Vous êtes coupables de ça. La Chine ne veut pas porter l'odieux de ce qui est arrivé. Alors, on va en entendre de toutes les sortes
possible, imaginable, surtout si vous allez un peu sur l'Internet, c'est des discussions qui n'en finissent plus. Alors, Dieu leur avait donné plein de consignes par rapport aux oiseaux, par rapport aux animaux terrestres, par rapport à toutes sortes de situations. Dieu prenait plein de détails pour dire, ne touchez pas, et si vous ne touchez pas, vous allez être béni. Ce n'est pas moi qui vous envoie la maladie. Ensuite, on retrouve au verset Lévitique chapitre 20, 23, 25. Lévitique chapitre 20, 23, 24, 25. Ça, c'est des paroles précieuses que Dieu nous donne. « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Alors, quand Dieu nous dit ça, Dieu est en train de faire la démonstration qu'il va prendre un peuple ignorant, pas d'instruction, pas d'argent, un peuple qui est nul. Et Dieu dit, je vais faire de vous la plus grande de toutes les nations. Je vais vous donner des principes qui vont faire que, à partir de ce que vous êtes, je vais vous élever aux yeux des autres, et c'est mon nom qui va être proclamé au travers de ça. C'est moi qui vais recevoir la gloire, parce qu'ils vont dire, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Parce qu'ils suivent les conseils que Dieu leur donne. Sinon, ça retombe toujours sur la faute de Dieu. Hein? On entend ça. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est « act of God ». Tout la faute de Dieu. On l'accuse de toutes les façons possibles et imaginables. Maintenant, dans Lévitique 11, 22 à 25. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le harboy, le agave, il y a plein d'animaux que je ne connais pas selon leur espèce. Vous aurez en abomination toutes les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. C'est vraiment quelque chose de formidable de voir les recommandations que Dieu donne. Il est en train de nous dire... Ce virus-là, là, si vous vous lavez tout de suite, si vous décontaminez vos mains, toutes les choses que le corps a touchées, le virus, il meurt dans 12 heures. Le virus n'est pas fort, mais tout de suite, lavez-vous les mains, désinfectez tout ce qui est alentour. Alors, nous autres, on pourrait dire aujourd'hui, bien, si vous êtes infecté, là, alors, qu'est-ce que vous avez le plus souvent dans vos mains? Votre cellulaire. Désinfectez-le. L'argent, c'est sale. Faites attention. Votre ordinateur, tous les objets avec lesquels vous êtes en contact, désinfectez-les. Et Dieu dit qu'au bout de ce temps-là, il n'y aura plus de contamination. Et c'est remarquable parce que je suis allé voir qu'est-ce que les plus grands médecins recommandent par rapport aux précautions qu'on doit prendre. Si on n'arrête pas le coronavirus, coronavirus par la panique. Alors, l'infection de ce virus ne se présente pas comme le rhume habituel avec le nez qui coule ou une toux qui est grasse. C'est plutôt une toux sèche. Ce virus est incapable de résister à la chaleur. Il meurt s'il est exposé à des températures élevées de 26 à 27 Celsius. Alors, c'est bon de prendre des tisanes qui sont chaudes, des soupes chaudes ou simplement de l'eau chaude. Évitez de boire de l'eau glacée. Dites à vos enfants de ne pas sucer des glaçons qui sont dehors, de manger de la neige. Alors, c'est tous des conseils qu'on retrouve dans la parole de Dieu et que Dieu nous demande de faire aussi. Alors, nous, on doit éduquer nos enfants aussi par rapport à ça. Les enfants, on l'a tout fait quand on était jeunes. Alors, les enfants ne réalisent pas et on dit, « Comment ça fait qu'il y a mal au ventre demain, qu'il est malade, c'est quoi? » Mais il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça. Après ça, si une personne est déjà infectée,
qu'elle éternue devant vous, si elle se trouve à 3 mètres de distance, le virus tombe par terre, vous ne serez pas infecté. C'est pour ça qu'on dit aux gens, rassemblez-vous pas, collez-vous pas les uns sur les autres, prenez-vous un peu de distance. Bien, tous les conseils qu'ils nous donnent, on les retrouve tous dans Lévitique. Tout ça, c'est marqué. La distanciation, comment est-ce qu'on doit isoler, etc. C'est remarquable de voir que ces scientifiques-là sont en train de découvrir que la Bible était vraie. Que tout ce que Dieu nous avait dit, c'était ça. C'est tellement simple qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on lit la parole de Dieu puis on ne le voit pas, alors que Dieu veut vraiment nous bénir? Quand le virus se trouve sur des faces métalliques, il survit pendant 12 heures. Après ça, il meurt. Alors, c'est pour ça que ce matin, quand on est arrivé, on a désinfecté les rampes, on a désinfecté toutes les poignées de porte, Quand vous allez chez Costco, on est allé la semaine passée, tous les chariots, puis là, on met nos mains. Il y avait du monde qui frottait tout le temps. Alors, c'est rendu dans toutes les épiceries maintenant. Ils savent que le virus ne dure pas longtemps. Si tu désinfectes, tu n'auras pas de contamination. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? On commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit faire telle ou telle chose. Maintenant, l'argent, c'est ça qui est plus sale. Se laver souvent les mains. La Bible nous parle, lavez-vous les mains. On va le voir tantôt, j'ai quelques versets pour ça. Le virus peut vivre caché dans le vêtement pendant 6 à 12 heures. On va voir tantôt dans la Bible, ça parle de ça, de laver ses vêtements. Puis qu'est-ce qu'on fait quand le vêtement, on ne réussit pas à enlever le virus? Dieu nous donne des conseils par rapport à ça. Le virus sur les mains dure environ 10 minutes. Alors, rongez pas les ongles. Mettez pas vos doigts dans le nez. C'est tout des conseils que Dieu nous donne, que les spécialistes sont en train de nous donner, mais on retrouve tout ça dans la Bible. Pas se frotter les yeux, il faut éviter tout cela. Maintenant, faites-vous des gargarismes avec une solution désinfectante. Désinfecter votre clavier, votre piano, votre souris. Le piano a-t-il été désinfecté ce matin? Alors, c'est toutes des petites choses, des petites précautions à prendre qui font que le virus ne survit pas au nettoyage immédiat. Alors, je reviens maintenant. Lévitique 12, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. » Vous comprenez pourquoi on dit aux gens, « Restez chez vous, venez pas à l'église. » Mais dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas les mêmes produits aujourd'hui pour empêcher que le sang qui salisse les bains. Alors, il y avait des précautions qu'on devait prendre. Ça n'a pas toujours existé, les merveilleuses choses qu'on a pour éviter les contaminations aujourd'hui. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alors, elle doit reconstituer son organisme, et tout ce temps-là, il y a un risque d'infection. Alors, quand des maris ne respectent pas leur épouse, puis qu'ils ne font pas ce temps-là, bien souvent, il peut avoir toutes sortes d'infections et toutes sortes de problèmes. Puis il se demande pourquoi. Mais Dieu nous dit, même si on ne comprend pas, faites-moi confiance, je suis un Dieu plein d'amour, je ne veux pas que l'homme soit infecté, puis je ne veux pas que la femme souffre non plus. Tu vois toujours l'amour de Dieu qui se dessine en arrière de tous ces conseils que nous avons. Pourquoi maintenant qu'on dit, le 8e jour, l'enfant sera circoncis? Pourquoi le 8e jour? Les Juifs n'ont jamais eu de misère avec la circoncision. Mais nous, les Québécois, moi j'en connais qui ont été malades pendant des jours, qui ont été infectés, les enfants pleuraient. Ça fait seulement 30 ans qu'on vient de découvrir qu'on n'a pas d'anticorps et que les anticorps sont capables de combattre une infection seulement après le 8e jour. Et quand on lit dans la Bible, on voit, il spécifie que Jean-Baptiste a été circoncis le 8e jour. Quand on lit la parole de Dieu dans Luc, on voit que Jésus a été circoncis le 8e jour. Pourquoi? Mesure d'hygiène, donner toute la chance à l'organisme. Alors, même si on ne comprend pas, si on le fait, on n'a pas de problème. Mais si on ne le fait pas,
ben l'enfant peut même mourir parce qu'on le circoncit le premier jour. Mais ça sauve du temps au docteur, hein? Il n'y a pas moyen d'en revenir. Ça coûte cher. Et pourtant, les conseils de Dieu devraient toujours prédominer. Mais on dirait qu'on ne prend pas ça au sérieux. Ou on pense que c'était dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ce n'était pas le même corps qu'aujourd'hui, hein? On était différents. On n'avait pas moyen de s'occuper de ça. Non. Tous les conseils que Dieu nous donne, toute Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour reprendre, pour nous exhorter. Toute l'Écriture, c'est à partir de Genèse. Maintenant, dans Lévitique 13, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une darte ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur d'Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. » Alors maintenant, on constate qu'il y a un problème. On constate qu'il y a une difficulté, qu'il y a un virus qui est en train de s'installer et ça risque de se propager. Alors là, suite à tout ça, il y avait plein de conseils qui étaient donnés. Alors, comment procéder quand il y a des complications? Dieu nous dit quoi faire. Alors, quand on lit le restant du texte, Dieu nous dit comment est-ce qu'on peut éviter que ça devienne pire. Et le prêtre était chargé de faire ce genre d'examen, puis lui, Dieu l'instruisait pour lui dire, regarde, s'il y a ce genre de plaie-là, regarde, si ça ne guérit pas, si cette plaie continue à se propager, bien, il va falloir que tu le mettes en isolation. Il va falloir que tu employes des mesures strictes pour pas qu'il communique ça à d'autres personnes. Alors, on l'enlevait de là. Et il était vraiment isolé. Et c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Même si quelqu'un dans l'Église est malade présentement, c'est-à-dire, prenez-les et amenez-les dans une salle toute seule. Isolez-les pour pas que les autres puissent l'avoir. Le virus ne dure pas longtemps, mais le temps qu'il dure, c'est là qu'on peut l'attraper. Mais si on réagit tout de suite, ça disparaît rapidement. Maintenant, je ne pensais pas à Michael, là, mais il parle des personnes qui n'ont plus de cheveux. C'est drôle, dans Lévitique 13, 40, 41, c'est comique qu'on parle de ça, mais c'est très rassurant. Je vais vous dire, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une maladie. Hein? Alors, Lévitique 13, 40, 41. « Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. » Alors, on savait tout ça, hein? OK, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est un chauve. « Il est pur. » Wow, quelle belle nouvelle! Ce n'est pas une malédiction de Dieu qui vient d'y tomber sa tête. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve, par devant, il est pur. Mais là, s'il y a des bobos sur sa tête, puis il n'y a pas de cheveux, c'est un problème, il faut faire quelque chose. Alors, tout de suite après, on explique. Alors, Dieu nous aide à faire la distinction entre arrêter de dire que c'est une malédiction parce qu'il est chauve, qu'il a dû certainement commettre des péchés, il a tout perdu ses cheveux. Le Seigneur dit, non, il est correct, il est correct. Ce n'est pas une maladie. Après ça, on a quelque chose d'intéressant dans Lévitique 13, 47 à 52 qu'on a lu ce matin. Lévitique, chapitre 13, 47 à 52. On parle de vêtements, de chaînes ou d'articles en cuir, etc. Et puis, au verset 50, ça dit, « Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant 7 jours, ce qui est attaqué, il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement ou sur toutes les autres choses, sur la peau, c'est une lèpre. Alors, l'objet est impur. Il va brûler le vêtement parce qu'il faut qu'il décontamine. Mais s'il voit que c'est en train de... la plaie est en train d'être jugulée, ça dit, donnez-lui une autre fois, au verset 54, une seconde fois pendant 7 jours. Alors là, ça devient 14 jours. Est-ce que c'est pas ça que les médecins ont décidé de faire, de mettre le monde en quarantaine? On ferme toutes les écoles pendant 14 jours. On ferme toutes les institutions pendant 14 jours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout était marqué déjà dans la parole de Dieu. Moi, ça me rassure tellement de dire, Seigneur, tu nous donnes plein de conseils pour ne pas qu'on panique.
puis pour qu'on puisse aider d'autres personnes aussi à prendre conscience de ça. Maintenant, comme la peau était contaminée, les vêtements présentaient des signes de contamination. Et si après le nettoyage et le lavage, ces taches persistaient, ils devaient brûler les vêtements. Maintenant, Lévitique 13, 53-54, regardez bien. Excusez, 53-54. Ça, c'est la maison. Quand une maison était contaminée, qu'on ne parvenait pas à la rendre salubre, on devait la détruire. Pensez-vous qu'il n'y en a pas aujourd'hui des bâtiments qui sont tellement contaminés, puis les gens vivent là-dedans puis sont malades? Hein? On a eu toutes sortes de problèmes avec la miouf, toutes sortes de avec l'amiante. Des gens étaient terriblement malades. Toute la maison était contaminée. On essayait de prendre certaines décisions, mais parfois les gens qui habitaient dans ces appartements-là continuaient à être malades, puis parfois gravement, puis même à mourir. Maintenant, Lévitique 13, 58, 59. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, les chaînes, ou un objet quelconque de la peau, d'après laquelle ils seront déclarés purs. Alors, on voit encore une fois quel était le rôle du prêtre, qui devait s'assurer que quand les gens étaient malades, quand il y avait des problèmes, ils devaient venir voir le prêtre, et le prêtre examinait, puis il disait, bon, OK, à cause de telle ou telle situation, on doit te mettre de côté, on doit t'aider pour que tu puisses guérir de ce que c'est que de ces infections-là. Quand il avait terminé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Tout de suite après, on remarque que c'était la joie. Il offrait des sacrifices. Il amenait des animaux. Puis là, il disait, « Merci Seigneur. » C'était comme une nouvelle naissance pour eux. Parce que maintenant, ils étaient guéris. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous quand on est malade et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous arrive? On est inquiète. Puis on se demande, « Mais Seigneur, je vais-tu passer au travers? » Puis le jour où tu es guéri, tu dis, « Ah, oh, je suis tellement soulagé. » Ils ont tous passé les examens. J'ai plus rien. Waouh! Et là, on remercie Dieu. Il y en a beaucoup qui remercient le hasard ou les médicaments, mais on devrait plutôt remercier Dieu. Lévitique 14, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse, il dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur donnera que l'on prenne pour celui qui doit être porté deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur. Il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. » Alors, l'oiseau qui était sacrifié représentait Jésus qui allait donner sa vie. L'oiseau dans lequel on plongeait le sang, que l'oiseau s'envolait, ça disait, maintenant, le temps de sa purification est passé. Il est pardonné, il revient parmi le peuple de Dieu. Il a obtenu la guérison et c'est tout le symbolisme de la croix, de tout ce que c'est que Jésus a accompli pour nous autres. Des fois, on lit ça, on trouve ça cruel, mais ça représente constamment tous les sacrifices qu'on faisait, tous ces petits détails qui nous montraient qu'un jour, Dieu viendrait pour nous purifier de tous nos péchés, nous laver de toutes nos iniquités et que Dieu nous adopterait comme ses enfants. Je disais ça hier, j'ai terminé, il était à peu près une heure de la nuit, puis je pense que j'aurais passé la nuit, tellement je trouvais ça beau. Tous ces textes-là qu'on lit parfois rapidement et auxquels on ne s'arrête pas. Maintenant, Lévitique 14, 10 à 32. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut, une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un éphah de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, ça revient encore au fait que ces sacrifices qui étaient faits, c'était
pour remercier Dieu pour l'intervention de Dieu dans sa vie qui le rétablissait pleinement et il savait qu'il était pardonné et purifié. On a un texte que j'avais dans Matthieu, chapitre 8. Gardez Lévitique. Matthieu, chapitre 8, le verset 1 à 3. On parle de la lèpre. S'il y en a un qui savait c'était quoi la lèpre, c'était bien Jésus. Comment Jésus traitait les lépreux? Est-ce que Jésus levait le nez sur un lépreux qui était en train de pourrir? Alors, quand on regarde dans Matthieu 8, 1 à 3. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha. Il dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Wow! Voici, Jésus ne se faisait pas prier longtemps pour ceux qui étaient les lépreux. Jésus les guérissait aussitôt. La prière n'a pas besoin d'être longue. Tu vois encore l'amour de Dieu qui est venu, parce que la lèpre représente le péché. Jésus est venu pour nous pardonner, pour nous purifier de tous nos péchés. C'est tous les mêmes symbolismes qu'on retrouve aussi dans Lévitique. Lévitique 15, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par le même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flot et qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur. » Ça veut dire contaminé. « Et tout objet sur lequel il s'assira, il sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. » Encore le 12 heures qu'on retrouve où la contamination est terminée. Mais tout de suite, il faut qu'il procède pour le lavage. Lavage des mains, lavage du lit, lavage des vêtements, etc. Il sera impur jusqu'au soir. « Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, il lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. » Alors, quand on parle de maladies sexuelles, transmissibles sexuellement, vous en avez de toute une panoplie, hein? Dieu avait donné plein de conseils par rapport à ça pour faire attention, pour contaminer aussi son épouse ou contaminer la personne avec qui il est. Alors, s'il y a des conseils pour nous, quelle sorte d'hygiène qu'on doit avoir, la propreté qu'on doit exercer au travers de tout ça, dans Lévitique 15, à partir du verset 19, ça dit encore... La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements. On retrouve toujours la même chose. Alors, vous vous rappelez cette femme-là qui avait, pendant 12 ans de temps, qui avait des pertes de sang. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle était rejetée par tout le monde. Puis elle s'est dit, « Si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus. » Et quand elle touche le vêtement de Jésus, sa perte de sang s'arrête. Elle avait visité tous les médecins. Elle avait vu tous les spécialistes. Il n'y a aucun spécialiste qui était capable de rien faire pour elle. Mais quand elle vient à Jésus, Jésus la guérit tout de suite. Alors, nous aussi, je crois qu'on peut avoir ce genre d'infection, ce genre de problème. Parce que des fois, on n'a pas toujours fait une belle vie. Hein? Tantôt, j'écoutais l'histoire pour les enfants. Puis je me disais, beaucoup de choses qui attiraient, je me retrouvais là-dedans, puis je me disais, je ne sais pas quand j'allais voir mon épouse, que je la fréquentais, si c'était ma belle convertible rouge qui l'attirait plus que moi. Je ne sais pas, tu sais. Mais des fois, on est plus attiré vers l'extérieur que vers les choses intérieures. La beauté, ce n'est pas d'avoir une belle auto rouge convertible. Il y a plus que ça. La gratitude, la joie, la bienveillance, la confiance en l'amour de Dieu est un excellent remède contre la maladie. Deutéronome 28, 6, 13. Deutéronome 28. Ça dit ceci. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ.
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand on dit aux gens, quand une pièce bénie, ça vaut 100 pièces pas bénies. Et tous ceux qui croient aux promesses de Dieu, qui participent à la dîme et aux offrandes, ils vont s'apercevoir qu'ils ne manqueront jamais de rien. Parce qu'une pièce bénie, Dieu dit, c'est moi qui bénis. Pas parce que vous avez beaucoup d'argent. Ça donne quoi d'avoir beaucoup d'argent? Tu ne peux pas manger tes millions. Ça ne sert pas à ça. Alors, verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ces peuples te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Dieu. Wow! C'est des promesses absolument merveilleuses. S'il y en a un qui ne nous ment pas, c'est bien lui. Alors, ce n'est pas un Dieu dur, un Dieu qui veut nous faire souffrir. Quand le peuple de Dieu est allé au désert, le désert est devenu le plus grand centre thérapeutique du monde. Dans leur alimentation, il n'y avait pas de frites, il n'y avait pas de poutine, il n'y avait pas de steak, il n'y avait pas de côte levée, il n'y avait pas de cholestérol, c'était de la manne. C'était la nourriture du Jardin d'Éden qu'ils ont reçue. Ça, c'est un. Là, je parle du système immunitaire. Comment le conserver dans les meilleures conditions? Deux, Dieu dit, prends de l'eau. Pas du thé, pas du café, pas du Pepsi, pas du Red Bull, pas d'alcool. Dieu dit, pas bon ça. C'est pas ça que tu vas maintenir ton système immunitaire. Troisièmement, Dieu dit, exercice. Grouille avant que ça rouille. À force de prendre ses aises, on doit un jour soigner ses malaises. L'exercice, dans le temps de Jésus, on n'avait pas besoin de parler de ça beaucoup, parce que le monde marchait, c'était tout à pied. Il marchait toute la journée. Mais nous autres, là, c'est rendu qu'on n'est même plus capable de pousser les portes, tu payes un piton, puis il s'ouvre tout seul. Fait qu'on ne fait plus grand exercice. On a des brosses à dents maintenant, tu n'as plus besoin de brosser, ils sont électriques. Tu sais, on ne fait plus beaucoup d'exercice. Alors, on est dans un monde où on aime tellement la télévision. Oh, la télévision est mon berger, je ne manquerai de rien, comme il est précieux. Le soleil qui tue les germes. Quand le peuple était au désert, il y avait le soleil toute la journée. Aucune contamination, les amis. Aucune maladie, rien. L'air, au grand air, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de tabac. Puis il n'y a pas de cannabis. La tempérance, définition de la tempérance, c'est de prendre avec modération de tout ce qui est bon et ne rien prendre de ce qui n'est pas bon, alors que toute la publicité nous dit tout est bon si tu ne fais pas d'abus. Ça, c'est un mensonge. On pourrait en parler pendant très longtemps, juste de ce sujet-là, bien sûr. Maintenant, le repos, un estomac en repos, c'est un corps en repos. Si vous voulez bien dormir, ne mangez pas avant de vous coucher. Vous allez dormir les premières heures, vous allez bien dormir. Mais après ça, vous allez vous réveiller quasiment aussi fatigué que quand vous êtes couché. Ça, c'est les sept docteurs naturels. Il nous reste un dernier, un médecin surnaturel. La confiance en Dieu, la foi. Dieu nous a donné la preuve de son amour. Toutes les lois humaines porte la marque des faiblesses et des passions du cœur humain, alors que la loi de Dieu porte le sceau du ciel. Voulons-nous porter le sceau du ciel? Observons les lois du ciel. Je termine avec un dernier verset, Deutéronome 6, 10 à 12. Lorsque ton Dieu
te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et tu ressaisiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel. On est tous dans le même bateau. La grande difficulté que nous avons, c'est d'oublier tout ce que c'est que Dieu a fait pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'en lisant Lévitique, on puisse voir peut-être les choses d'une façon différente, en remarquant tous les petits détails que Dieu nous donne pour montrer qu'il n'est pas un Dieu dur, qu'il n'envoie pas des malédictions, mais que Dieu veut nous bénir, chacun d'entre nous. Le cantique d'engagement, le numéro 403, « Marchons frères, bon courage ». Seigneur, tu nous dis dans ta parole de se réjouir, tu nous dis « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen.